Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom du Machia. Ami Yoshua est bon, alléluia. Ami Yoshua est bon, il prend soin de nous, alléluia, de ses enfants, alléluia. Ami Yoshua est bon. Je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Merci, Père, de ce que tu es, ce que, madame, mon, tu es. Tu es celui qui est, et que ton nom soit béni, alléluia. Merci, Père, de ce que, madame, mon, tu. Tu me permets, madame, d'être. Voilà mon tes disciples. Quel privilège, quelle grâce. Père, aide-nous à être honnêtes avec toi, Père. Aide-nous à être sincères et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ami Yoshua est bon. Oui, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons partager, mes amis, sur quelque chose, sur une réalité. Amis, que nous, des choses, mes amis, auxquelles nous sommes exposés. Alors que tu vois quelqu'un qui confesse Yeshua de sa bouche, et mais tu vois que son comportement confesse autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein, mes amis? Vous avez déjà vu ça, mes amis? Même, mes amis, même parfois nous-mêmes, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, tu confesses Yeshua de ta bouche, mais ton comportement parle autrement. Hein? Ben oui, mes amis, ça existe. Des gens qui parlent, mes amis, de Jésus-Christ de Nazareth, qui parlent de Yeshua matin, midi, soir, mes amis, qui parlent de Yeshua, mes amis, et leur comportement parle autrement. Les fruits, mes amis, qui ressortent, c'est des fruits bizarres. Ce sont des fruits bizarres. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, le titre du partage, mes amis, c'est tu confesses Yeshua de ta bouche, mais ton comportement parle autrement. Ton comportement confesse autre chose. Donc tu confesses Yeshua de ta bouche, mais ton comportement confesse autre chose. Les fruits, mes amis, les fruits. Quel est ton fruit? Mes amis, quel est notre fruit? Dans notre, mes amis, dans la vie de tous les jours, mes amis, quel est notre fruit? Est-ce que mes amis, nous sommes mes amis dans les problèmes, toujours les problèmes, mes amis, est-ce qu'on est toujours dans la colère, mes amis, est-ce que mes amis, sur le plan familial, mes amis, nous sommes des exemples, est-ce que nous ne sommes pas en train de mes amis, d'étrangler un frère ou une soeur, mes amis, pour un bout de terrain, que disent les voisins de nous? Mais c'est terrible ça. Quel est ton fruit? Tu parles de Yeshua, mais quel est ton fruit? Est-ce que tes enfants voient en toi un exemple? Est-ce que tes enfants se disent pas, mais quel hypocrite, dans l'assemblée, il est comme ça, mais à la maison, il est autrement? Mais quel est ton fruit? C'est terrible ça, mes amis, confesser Yeshua de sa bouche, mes amis, mais le comportement parle autrement. Amis, deux solutions, mes amis. Soit, mes amis, on n'est pas converti. Soit, mes amis, on est du mal. Deux solutions, mes amis. Alléluia. Deux solutions. Voilà. Soit on n'est pas converti encore, mes amis, ou soit on est, mes amis, on n'est pas de Yeshua. Alors, confesser Yeshua et que les fruits ne soient pas présents. Comment ça? Les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Comment ça? C'est terrible ça. Eh bien oui, mes amis. Il y a des gens qui parlent de Yeshua, mes amis, mais mes amis, le caractère, ils ont des problèmes de caractère. Amis, des gens qui parlent de Yeshua, mes amis, mais qui ne sont pas dans l'humilité. Mais ils parlent de Yeshua, mes amis, mais ils sont égoïstes. Ils parlent de Yeshua, ils sont cupides. Quel est ton fruit? Tu parles de Yeshua de ta bouche, mais qu'est-ce qu'on voit? Comment ton comportement parle? Le fruit, ça, mes amis, le fruit, qu'est-ce qu'on voit en toi? Tu ne peux pas cracher ça 10 000 ans, mes amis. Chasse le naturel, il revient au galop. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, c'est ce qu'on voit. Ceux qui parlent de l'amour, mes amis, ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Ça.
Vous avez des gens qui parlent de Yahushua, qui parlent de l'amour, mes amis, Yahushua et l'amour, mes amis, hein, amis, et qui ne s'intéressent même pas, mes amis, aux pauvres. Mais on parle de l'amour, quel est ton fruit? On ne s'intéresse même pas à ceux qui souffrent à côté. Amis, on parle de Yahushua qui est l'amour. Amis, qu'est-ce que confesse ta bouche et qu'est-ce que confesse ton comportement? Amis, Yahushua est bon. Amis, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux, mes amis. Vous comprenez ça? Nous parlons, mais nous n'agissons pas. Nous parlons, mais nous n'agissons pas, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Mais soit nous ne sommes pas convertis, mes amis, ou soit, mes amis, nous sommes de l'autre. Hein? Nous sommes ennemis du Mashiach. Hein? Donc, mes amis, nous n'honorons pas le nom du Père, mes amis. Nous n'honorons pas le nom du Père. Mes amis, nous méprisons le Père, mes amis. Que nous parlons du Père avec nos bouches, mais, mes amis, le comportement ne suit pas, mes amis. Nous n'honorons pas le Père, mes amis. Nous sommes des mauvais témoignages quand c'est comme ça. Mes amis, nous sommes dans le blasphème. Vous comprenez ça? C'est terrible, c'est grave, mes amis. De pouvoir, mes amis, confesser, mes amis, Yahushua, mes amis, de la bouche, mes amis, et pas du cœur. Amis, nous sommes dans le blasphème, mes amis, nous marchons sous Mashiach. Amis, nous n'honorons pas le Père. Amis, c'est grave, mes amis. C'est grave, point de ça. Quelqu'un va se dire, mais c'est lui là, qui soit disant qu'il est dans la religion, lui là, mais il est méchant comme tout. Amis, le voisin va dire que t'es méchant comme tout et t'es dans la religion. Amis, ils vont dire, mais si c'est ça la religion, ça ne m'intéresse pas. Les amis, on entend ça tout le temps. Le témoignage, mes amis, vous voyez ça? Qui est mauvais. Parce que, mes amis, hein, mes amis, on ne peut pas cacher le naturel tout le temps. Hein? Amis, les gens qui se viennent bien habillés, mes amis, dans les assemblées, mes amis, qui sont dans la méchanceté. Amis, c'est terrible ça. L'homme, c'est terrible. Dans le mépris tout le temps, mais qui confesse Yahushua, mes amis. Alors, mes amis, on méprise le maître. Mes amis, on n'a même pas peur du maître, mes amis. Alors, mes amis, on blasphème. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, c'est terrible ça. Et c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit sur la place, mes amis. Regardez. Il est dit dans Apocalypse 2, versets 8 à 9, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Vous voyez? Amis, ils se disent être juifs de la bouche. Mais ils ne le sont pas, en réalité. Mais beaucoup de gens, mes amis, se disent, mes amis, disent du Mashiach, se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. Et beaucoup se disent, mes amis, du Mashiach. Mais comprenons ça. Mais soit ils ne sont pas convertis, soit ils sont de l'autre côté. Mais ils se disent, mes amis, de leur bouche, ils confessent Yahushua. Ils confessent Yahushua de leur bouche, mais ils ne sont pas des Yahushua. Vous savez, on est dans ce monde-là. Lorsqu'on est, mes amis, de Yahushua, mes amis, hein, des fruits, mes amis, vont avec. Comme ça. On a envie de plaire au cœur du Père. Hein? Alléluia. On a envie de plaire au cœur du Père, mes amis. On se soumet à la volonté du Père, à sa parole. Vous voyez ça? Mes amis, on est, mes amis, dans l'humilité. On recherche l'humilité, mes amis. On recherche la patience. On recherche, mes amis, les choses du ciel. Vous comprenez ça? On recherche les choses du ciel, mes amis. Hein? On recherche, mes amis, les choses du ciel. Mes amis, on confesse Yahushua de notre bouche, mes amis, mais le comportement suit. Des gens vont dire. Oh, mais lui, il est trop dans son truc. Mais au moins, mes amis, ils ne vont pas dire, soi-disant, il est soi-disant chrétien, mais regarde ce qu'il fait.
Ils vont dire, ah ouais, mais lui, laisse-le tranquille, il est dans son monde. Vous voyez? Ils vont dire ça. Vous savez, ça se passe là, dans les témoignages. Vous voyez ça? Vous savez, la sincérité du cœur. Alors ce que ta bouche prononce là, il faut que ça vienne du cœur. Sinon, c'est du cinéma. Amis, on est une bande de comédiens. Amis, un grand frère disait, mes amis, eh ben c'est là où on trouve les acteurs. C'est dans la chrétienté qu'on retrouve les acteurs. Mes amis, les comédiens, ceux qui jouent de la comédie. Matin, mes amis, ils sont dans l'hypocrisie. Amis, autant, mes amis, hein, autant vivre sa vie que de jouer la comédie. Amis, confesser Yeshua de sa bouche, mes amis, et dans le cœur, mes amis, ne pas le confesser. Vous comprenez ça? Amis, David dit, mes amis, a dit, mon âme bénit Yahweh, mon âme, mes amis, bénit Yahweh. Il faut que notre âme bénisse Yahweh, Yeshua Mashiach. Il faut que notre âme bénisse Yeshua Mashiach. Donc, mes amis, ce n'est pas seulement dans la bouche, mes amis, c'est l'âme aussi doit bénir Yeshua Mashiach. Vous comprenez ça? Ce n'est pas seulement la bouche, l'âme, mes amis, aussi. Vous comprenez ça? L'être entier va bénir Yeshua Mashiach, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? C'est une sorte de cœur à cœur. C'est pas une sorte de cœur à bouche. C'est une sorte de cœur à cœur. Le cœur du Mashiach est ton cœur. Ce n'est pas le cœur du Mashiach et ta bouche. Hein? Les amis, on joue la comédie bien souvent. Et ça sent mauvais. L'hypocrisie est présente comme pas possible. On dit on bonjour à des gens qu'on ne peut pas supporter, pas blairer, mais on dit bonjour quand même. On est dans l'hypocrisie. On dit bonjour parce qu'il faut dire bonjour, mais si on pouvait ne pas dire bonjour, on n'aurait pas dit bonjour à certains frères, à certaines sœurs, mes amis. On en est là. Et on continue comme ça. Amis, c'est terrible, ça entraîne des casseroles, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses qui se passent entre frères, entre sœurs, mais ce n'est pas grave, on passe dessus, alors que ça fait des bobos pas guéris. On passe dessus, on ne veut pas en parler. On refuse d'en parler, mes amis, on refuse de parler des choses qui font mal. Parce qu'on est charnel comme pas possible. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. On n'est pas en esprit. On n'est pas en esprit. Mes amis, mes amis, on ne s'inquiète pas de Yahushua. Qu'est-ce qu'il pense de ça? On ne s'inquiète pas, mes amis. On est dans le blasphème. On se moque de Yahushua. Voilà ce qui se passe. Hein? On se dit juif, on se dit, mes amis, d'ici du Mashiach, mais on ne l'est pas. Ou on n'est pas reconverti. Mes amis, soit on est, mes amis, pas reconverti, soit on est, mes amis, de l'autre côté. Mes amis, c'est terrible ça. Et on voit ça sous la plaque, mes amis. On voit des gens, mes amis, on voit, mes amis, des réactions charnelles tout le temps, des réactions charnelles. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, la réalité, mes amis. Des réactions charnelles tout le temps. C'est terrible ça. On se dit, mais Père, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Mes amis. Mais nous réagissons comme des enfants, parce que nous sommes charnels. Point ça? Nous sommes charnels, mes amis, ça attriste le cœur du Père. C'est terrible ça. On se dit, on parle de Yeshua, mes amis, on parle de l'amour même, mes amis, et nous-mêmes, mes amis, on n'en veut pas. On reste dans notre système charnel. Il ne faut pas venir nous chercher dans notre petit coin. Mes amis, on veut, mes amis, hein, faire des choses, chercher l'unité. L'unité de quoi? Quelle unité, mes amis, quelle unité qu'on recherche là. Hein? Autant courir après le vent, autant courir après le vent, quelle unité on cherche, mes amis, charnellement. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Ah ben oui, c'est terrible ça. On se dit du Mashiach avec sa bouche, mes amis, et on ne confesse pas avec son cœur. Et on croit, mes amis, qu'on ment à Mashiach, on croit qu'on l'usurpe, mes amis, on croit qu'il ne nous voit pas, qu'il ne connaît pas notre cœur, mais c'est terrible ça. On croit qu'il ne connaît pas notre cœur, mais c'est terrible ça. On croit qu'on arrive, mes amis, mes amis, à l'usurper. C'est terrible ça. Mais comment on peut croire, mes amis, que le Créateur ne nous voit pas dans nos pensées, mes amis? Comment on peut voir, on peut penser cela? Comment ne pas craindre le Créateur, mes amis? Hein? Se faire passer pour ce qu'on n'est pas? Des acteurs terribles, comme ça? Et on dort avec ça tranquillement?
Ça ne nous dérange pas. C'est ce qu'on voit sur la place, mes amis, des gens qui montent des dents, mais qui ne sourient pas. L'hypocrisie pure, mes amis, des gens qui s'entretuent dans les assemblées, qui ne peuvent pas se supporter l'un l'autre. C'est ce qu'on voit, parce que, mes amis, Yahushua n'est pas là. Comme ça, on quitte les assemblées, on crée notre assemblée, mais c'est pareil. On ne veut pas s'humilier, mes amis. Alléluia. On ne veut pas s'humilier et remplir d'orgueil, mes amis. C'est terrible ça. Et puis on parle d'humilité de la bouche, mes amis. Mais le mot même, mes amis, on ne connaît même pas la valeur du mot. Comment ça? On ne connaît même pas la valeur du mot, mes amis. L'humilité. C'est terrible ça, mes amis. Des comédiens que nous sommes, des comédiens. Des comédiens, matin, midi, soir, nous jouons la comédie. Mes amis, et on peut jouer la comédie avec le Seigneur. Comment ça? Mes amis, on pense, on le pense, mes amis. On pense qu'on usurpe le Seigneur, mes amis. On pense, mes amis, qu'on usurpe le Seigneur. Comment ça? Il y en a même qui vont se masturber et qui croient que le Seigneur ne les voit pas. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible. Oh, mes amis, on est, mes amis, hein? Mes amis, on est, mes amis. Yahushua nous voit. Il nous voit, mes amis, dans tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, il nous voit. Alors mieux vaut aller vivre ta vie, hein? Au lieu de faire l'hypocrite là, d'empêcher aux frères et sœurs d'avancer bien comme il le faut, d'être un boulet pour les frères et sœurs, mieux vaut vivre ta vie. Si tu vois que tu te plais dans ton hypocrisie, hein, et dans Alléluia, hein, dans Alléluia, dans ta comédie, tu te plais dedans, mais ne dérange pas les frères et sœurs qui veulent faire plaisir au cœur du Père. Mais tu viens, tu veux t'imposer encore. Mais c'est terrible ça. C'est terrible ça, mes amis. Hein? Les frères et sœurs, mes amis, qui sont spirituels, mes amis, mais mes amis, ils ont du mal avec ça. Père, fais grâce, papa. Fais grâce, papa. Comment, mes amis, on croit, mes amis, qu'on usurpe le Père? Comment on croit, mes amis, qu'on l'usurpe? Hein? Comment on croit, mes amis, qu'il ne nous voit pas? Mes amis, il est patient, le Père. Alléluia. Il est patient, mes amis. Il est temps de nous repentir sincèrement. Ne pas jouer la comédie avec le Père. Hein. Nous repentir sincèrement. Hein. Chercher le Père sincèrement. Ce qui sort de la bouche, ce que ça vient du cœur. Hein. Ça ne sert à rien de jouer la comédie avec le Père. Ça ne sert à rien du tout, mes amis. Ça ne sert à rien de jouer la comédie. Vous comprenez ça? Mes amis, de plus, mes amis, Yahushua éclaire ses enfants. C'est ce que vous croyez. Yahushua est bon. Hein? Sois éclaire ses enfants, mes amis. Comme ça. Yahushua te révèle, s'il le veut, des choses. Hein? Ça sert à quoi de jouer de la comédie? Ça sert à quoi? Hein? C'est terrible, ça, mes amis. Il est dit, je connais tes œuvres, verset 9, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, ils le disent de leur bouche, mais ils ne le sont pas. Et c'est, mes amis, c'est un blasphème, leur blasphème. Mais qui sont de la synagogue de Satan, mes amis. Et qui parlent, mes amis, ils se disent juifs, mais ils sont de la synagogue de Satan. C'est terrible ça. Tu dis du Mashiach, et t'es de la synagogue de Satan. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Les amis, c'est pas une minorité, ça le problème, mes amis. C'est pas une minorité. Quel est ton fruit? Hein? Quel est ton fruit? Est-ce que tu es pris dans des choses familiales, là, des problèmes familiaux, ou à cause de toi, la maison familiale, des parents qui sont décédés, à cause de toi, la maison est en train de pourrir, et tu ne veux pas qu'un frère ou qu'une soeur de tes soeurs habite dedans, tu veux pas que la maison pourrisse, c'est ça, Yahushua. L'ami, c'est ce qu'on voit sur la place. Est-ce que tu as mis dehors ton fils, ta fille? Hein? Est-ce que tu n'es pas tes parents? C'est ce qu'on voit sur la place. Ce qu'on voit sur la place. Et on confesse Yahushua dans notre bouche, mes amis. Et on agit comme ça, de la sorte, mes amis. Hein? On agit de la sorte, mes amis. Point ça. Mes amis, on est mauvais. On est mauvais. Point ça.
Hein? Comment tu considères ton véhicule? Est-ce pour toi c'est une seconde maison, hein, à tel point que tu ne peux même pas donner un stop à quelqu'un? Comment tu... Mes amis, on confesse Yahushua. On confesse Yahushua, mes amis. Hein? Elle se comporte bizarrement. Comment tu considères ton véhicule? Comment tu le vois? Est-ce que tu vois un bout de tôle avec quatre roues ou tu le vois autrement? Comment tu le vois? Est-ce que pour toi c'est un trésor? Comment tu le vois? Amis, c'est terrible ça. Comment tu vois ta maison? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de passager, hein, qui te sert maintenant et puis après ça va servir à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu vois que c'est la finalité de quelque chose de grandiose, hein, c'est la finalité, c'est ta vie. Comment tu vois ta maison? Amis, il dit, où est ton trésor? Là sera ton cœur. Où est ton trésor, mes amis? Là sera ton cœur. Comment tu vois ta maison? Amis, c'est terrible. On confesse Yahushua, mes amis. Amis, il faut nous dire de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, mes amis. On est bien attachés aux choses de ce monde. Comment ça? Comment tu vois, mes amis, ta maison? Amis, ce sont des questions simples, mes amis, mais qui nous renvoient à une réalité terrible. Comment tu vois, comment tu considères ton frère, hein, à Machia? Comment tu considères ta soeur Machia? Comment tu considères? Est-ce que tu considères ton frère, hein, comme étant, au-dessus de toi, que tu as son service? Ou est-ce que tu le considères comme quelqu'un que tu dois mépriser? Ou est-ce que tu le considères comme quelqu'un que tu dois valoriser? Comment tu le vois? Tu sais comment tu le vois ton frère? Tu sais personnellement comment tu vois ton frère, comment tu vois ta soeur. Tu sais comment tu vois certains frères et certaines soeurs. Tu sais. Et bien sûr, mes amis, on n'aime pas nos frères et soeurs en Mashiach. Et ça, mes amis, on confesse Yahushua de notre bouche, mes amis, et on a la haine des frères et des soeurs dans le cœur. Mes amis, et on continue comme ça, et on croit qu'on va au ciel avec ça. Mes amis, c'est terrible ça. Mais sûr, mes amis, la conversion n'y est pas. Mes amis, où on n'est pas de Yahushua. Amis, c'est terrible ça. Amis, ce sont des questions simples, mes amis, mes amis, des questions qui vont nous, hein, nous placer, hein, nous placer, nous situer, où est-ce que nous sommes? Comprenez ça? Hein? Comment tu vis avec ceux qui t'entourent? Si on t'a hébergé, est-ce que tu as participé financièrement? Si tu peux. Est-ce que tu as participé financièrement? Quand on te donne un stop, est-ce que tu participes à l'essence? Est-ce que tu payes quelque chose quand on te donne un stop? Mes amis, ce sont des questions simples. Mes amis, mais qui nous poussent, mes amis, à savoir où est-ce qu'on est placé. Est-ce que tu es radin comme pas possible? Est-ce que tu as la main fermée, et tu caches ton argent aux dépens des autres? Comment tu vis? Quel est ton cœur? Quels sont tes fruits? Et tu confesses Yahushua. Hein? Tu vas au restaurant, tu caches ton argent et tu fais qu'on te paye. Comment tu vis? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, je vous dis, je vous parle de la réalité. Mes amis, des gens qui confessent Yahushua, mes amis, qui agissent comme ça. Hein? Des gens, mes amis, qui abusent de l'hospitalité. Des gens, mes amis, qui abusent des autres, de la confiance des autres, mes amis, et qui confessent Yahushua. Ben oui. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Comment ça? Comment, mes amis, tu vis? Est-ce que tu usurpes la CAF? Est-ce que tu fais des fausses déclarations? Est-ce que tu usurpes les impôts? Hein? Est-ce que tu paies ta taxe pour la télé? Et donc, ce sont des questions, mes amis, qui vont nous situer. Et tu confesses Yahushua. Est-ce que tu as fait un permis de construire pour ta maison? Hein? Est-ce que tu as déclaré ta maison? Mes amis, ce sont des questions simples, mais qui nous situent. Parce qu'on confesse Yahushua, mes amis. Et bien sûr, mes amis, on n'est pas, mes amis, dans ce que Yahushua veut, dans ce que Yahushua espère pour nous. Hein? Est-ce que tu vis, bah, maritalement? Est-ce que tu es marié? Hein? Est-ce que tu n'es pas dans l'adultère? Hein, mes amis, et on confesse Yahushua, prenez ça, c'est terrible ça. On confesse Yahushua dans notre bouche, mes amis, mais le comportement n'y est pas. Hein, c'est terrible ça. Ben oui. Hein, est-ce que tu paies l'eau que tu utilises? L'eau de la commune, là, enfin l'eau, est-ce que tu paies l'eau alors que tu utilises l'eau? Attends, l'électricité alors que tu utilises l'électricité. Est-ce que tu payes ça?
Amis, on confesse Yahushua, mes amis, mais le comportement n'y est pas bien souvent. C'est terrible ça, mes amis. Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? Est-ce que tu as remboursé cette personne? Est-ce que tu as volé quelqu'un? Hein? Et bien, on confesse Yahushua. Prenez ça. Amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. Jusqu'où, mes amis, ça va? Dans les moindres détails, mes amis, le comportement n'y est pas bien souvent. Et on confesse Yahushua. Est-ce que tu es, hein, dans la guerre avec quelqu'un, un voisin quelconque, mes amis, un parent? Est-ce que tu es dans la guerre avec quelqu'un? Est-ce que tu as été demander pardon, faire la paix? Hein? Amis, et on confesse Yahushua. Amis, on confesse Yahushua, mes amis, mais mes amis, on est en guerre avec des gens. Amis, on ne s'humilie pas pour aller demander pardon, même si on a raison, mais on va demander pardon, mes amis, pour avoir la paix. Amis, mais au moins, on a fait la démarche, amis, même si l'autre ne veut pas, mais on a fait la démarche. Amis, mais on ne veut même pas faire cette démarche-là, on ne veut même pas en entendre parler. Amis, et on confesse Yahushua de la bouche, mes amis. On est fâché avec des gens, on a des gens sur le cœur, on ne peut pas les blairer, mes amis, mais on confesse Yahushua. Et on croit, mes amis, c'est terrible ça, on croit que mes amis, nos prières montent au ciel. Vous avez confessé Yahushua de la bouche, vous avez dit, mais pas du cœur. Prenez ça. Mais le message est terrible. Prenez ça. Mais si tu te reconnais là-dedans, là, repends-toi rapidement. Repends-toi. Repends-toi. Et donne ton cœur vraiment au Seigneur. Le petit copain là que tu ne peux pas lâcher, tu confesses au Seigneur, mais tu ne veux pas lâcher le petit copain. Tu ne veux pas le lâcher. Hein? Tu ne veux pas te marier, mais tu continues à coucher avec. Hein? Et tu confesses le Seigneur, et tu vois qu'il ne te voit pas, le Seigneur. C'est terrible ça. Non, mais notre chair nous mène parfois. On est mené par le bout du nez par notre chair, mes amis. Hein? Et on confesse le Seigneur, mes amis. Mais on confesse pas le Seigneur avec notre cœur, le confesse de la bouche. Amis, et on croit, mes amis, qu'on usurpe le Père. Prenez ça. Amis, je vous parle terre à terre. Alléluia, mes amis. Je vous parle terre à terre de la part de Mashiach, pour que mes amis comprendre les choses. Comme quoi, mes amis, on confesse le Seigneur, mes amis, de la bouche, mais bien sûr, mes amis, hein, mes amis, le cœur n'y est pas. Hein, comment tu te comportes là quand on te dit quelque chose, on te dit la vérité de la part de Mashiach, on te dit la vérité sur ton orgueil ou n'importe quoi, un défaut qui vient de toi. Hein, comment tu réagis? Est-ce que tu avances avec ça ou est-ce que, hein, tu te replies encore plus sur ton orgueil. Hein? Hein? Comment tu réagis quand on te dit la vérité sur toi? Comment tu réagis? Comment tu prends ça, mes amis? On confesse le Seigneur, mes amis, mais le comportement, mes amis, ne suit pas. On gonfle comme mes amis, c'est terrible ça. On gonfle comme un poisson armé. Hein? Après, on dégonfle sous quelques jours, mes amis, mais ce n'est pas passé. La remarque du frère n'est pas passée. Tu as le frère, hein, tu l'as sous le cœur. Parce que le frère t'aime, il t'a dit que tu es orgueilleux ou tu es cupide de la part de Mashiach. Mais tu en veux au frère, tu l'attends au virage, tu l'as sous le cœur, mes amis. Et mes amis, on confesse le Seigneur, mes amis, et on prie le Seigneur, mes amis, alors que le cœur n'y est pas. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. C'est terrible. On chante le Seigneur, mes amis, mais le cœur n'y est pas. Les amis, ça fait quoi? Ça fait des choses bizarres, hein, dans une assemblée. Ça fait des choses bizarres. Ça fait des chants bizarres, mes amis, des chants qui ne montent pas, qui ne louent pas le Seigneur. L'adoration n'est pas possible. Vous voyez, on en est là, mes amis. Vous voyez ça? Il parle de séparation, mes amis. Il parle de séparation et pas de sentiment. Pas de sentiment, mes amis, séparation, séparation. Séparation. Si tu n'entends pas, si tu veux pas du Seigneur, laisse les autres qui veulent le Seigneur adorer le Seigneur. C'est tout. Mais le choix est bon. Alléluia. Mais la parole est dure, mais le choix est bon, c'est la vérité. Mais le choix est bon. Alléluia. Mes amis, c'est tout, mes amis. On en est là, mes amis. Regardez à gauche, regardez à droite ce que vous allez voir sur la place. Hein? Mes amis, essayez dans votre assemblée là, essayez de dire au pasteur, appelez le frère. Au lieu de l'appeler pasteur, appelez le frère, vous allez voir sa réaction. Vous allez voir là sa réaction. Vous allez dire, non, 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 moi je suis pasteur. Mes amis, il tient son titre. Mes amis, tu tiens ton titre?
C'est terrible ça. Tu tiens à ton titre. T'as mis, c'est terrible ça. Essaye d'appeler le pasteur frère un jour, vous allez voir. On en est là, mes amis. On en est là. Alors, que Yeshua nous fasse grâce. Que Yeshua nous fasse grâce, mes amis. Hein? Mes amis, sondons, mes amis, hein, les cœurs, mes amis, de la part du Mashiach. Mes amis, demandons à Yeshua, mes amis, le discernement. Hein? Le discernement, mes amis. Mes amis, demandons-lui qui est qui, c'est important. Mes amis, c'est important de demander au Mashiach qui est qui, mes amis, dans ces temps de la fin, c'est important, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, il est dit, mes amis, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, mes amis. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comprenons ça. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Père, reçois l'adoration chez Mashiach, papa. On a besoin de toi, Père, de ton discernement, papa d'amour, afin que nous puissions, papa d'amour, savoir qui est en face de nous, papa. Papa d'amour, donne-nous le discernement, papa d'amour, aide-nous à être connectés, papa d'amour, à toi. Papa d'amour, que nous puissions, papa d'amour, ne pas tomber dans des pièges de l'ennemi, je m'achia, papa. Aide-nous, papa d'amour, à te rechercher, papa d'amour. Et papa d'amour, ce que nous disons de notre bouche, papa d'amour, que ça vienne du cœur, papa d'amour. Papa d'amour, aide-nous à être sincères avec toi, papa d'amour, parce que tu vois notre cœur, tu sais tout, Père. Tu sais, papa d'amour, si nous sommes sincères ou pas. Tu sais toutes choses, que tout le monde soit béni. Alléluia, mes amis. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Mes amis, il est temps qu'on puisse s'interroger sur soi-même. Hein? Regardons, intéressons-nous à nos fruits. Intéressons-nous à nos fruits. Regardons nos fruits, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ta fille dit de toi? Qu'est-ce que ton fils dit de toi? Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Hein? Qu'est-ce que le voisin dit de toi? Interroge-toi sur tes fruits. Hein? Sont-ils bons ou pas? Interroge-toi. Regarde tes fruits. Et si ça va bon, eh bien, cherche le Seigneur. Parce que, mes amis, c'est le Seigneur, mes amis, qui, hein, c'est sa sève qui coule. Alléluia. Mes amis, dans les branches, les sarments, hein, que nous sommes. Ouais, c'est la sève, hein, du tronc. Vous voyez, il est le cep, mes amis, c'est la sève, mes amis, ça sort des racines, il y a aussi la racine, mes amis, c'est la sève, mes amis, de la racine qui monte dans le tronc et qui monte dans les sarments et les branches, comme ça, mes amis, c'est la sève qui coule en nous, et la sève permet, mes amis, de produire des bons fruits, mes amis, mais il faut, mes amis, qu'on ait ça, cette semence-là, mes amis, il faut qu'on rencontre le Seigneur, mes amis, il faut, alléluia, mes amis, il faut, hein, alléluia, mes amis, il faut, hein, qu'on puisse faire cette rencontre-là. On puisse passer par la case, mes amis, repentance, mes amis, et la case conversion. On dit ça? Le choix est bon, mes amis. Repentons-nous sincèrement, mes amis. On dit ça? Venons au pied du Mashiach. Il est temps, mes amis. Mes amis, l'horloge tourne, mes amis. Le choix revient. Le choix est à la porte. On dit ça? Regardez dans quel temps nous sommes, mes amis. Tout, mes amis, tout est écrit, mes amis. Tout nous dit que le choix est proche. On dit ça? On est à la veille d'un chaos terrible. On est à la veille d'un chaos terrible, mes amis. Point de ça? Mes amis, qu'il faut se glorifier. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et je vous reviens bientôt. Je vous dis à tantôt. Alléluia.